Ah non, non, c'est une application. L'harmoniseur de foyer. L'harmoniseur de foyer? Oh, rien que le nom, ça me file la chair de poule. Du calme, Alvin. Cette petite application va nous faciliter la vie. C'est Julie qui me l'a conseillée. À quoi ça sert exactement, hein? Eh bien, elle évalue le niveau sonore, et si vous vous disputez, ça déclenche l'alarme. Non, attends, je sais que ta génération ne comprend vraiment rien à ce genre de truc, mais... Tu viens de te faire avoir comme une patate moisie en payant pour une appli inutile. Appli, c'est un diminutif pour application, qui est le diminutif de « je suis une andouille si je paye pour ça ». Ah oui, vraiment? Est-ce que tu te disputes toujours avec Simon? On a effectivement arrêté de se disputer. La preuve que ça fonctionne. Et maintenant, je dois me remettre au travail. Au fait, Alvin, Simon a raison, ça fait ting-tang, walla-walla, ping-bang. Ah, oh, cet harmoniseur de foyer, c'est quand même flippant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu sais, pour quelqu'un comme moi, qui pratique assidûment le yoga zen, la recherche de l'harmonie est évidemment un but en soi. Quant à ça... Hop, 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 chut, 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 chut. Apprends à faire des phrases courtes. Oh. Hein? Si vous êtes satisfait de votre harmoniseur, pourquoi ne pas effectuer la mise à jour qui aidera vos enfants pour leurs devoirs, fera la vaisselle et les réveillera le matin? Qu'attendez-vous? Appelez-nous. C'est tes devoirs, Alvin. Ah, ah, à l'aide, à l'aide! Venez m'aider, au secours! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, il y a une terrifiante machine robotisée. Elle est juste là, et elle veut détruire la planète. Allons, voyons cette harmonie, je l'ai mise à jour. Vous avez devant vous la version 11.2.